Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale Comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première, où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle. Conseil du jour, prenez de l'acide aspartique. Dans cette vidéo, je me base sur l'analyse qui est faite ou reprise, je ne sais pas, de Julien Vénesson. J'adore ces articles, je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, dernièrement, il y en a un qui m'a interloqué. Les mensonges sur toutes les promesses qui attraient au curcuma. Mais je vous en parlerai dans une future vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse au moins. Donc l'acide D-aspartique, c'est un complément alimentaire qui est vendu dans le but d'augmenter naturellement votre taux de testostérone. Et donc, en plus de ça, votre libido et prendre des gains de masse musculaire et de force. Pour vendre ce produit, en fait, les vendeurs s'appuient sur des études qui ont été menées sur des rats et sur une étude qui est menée sur l'homme. Donc les hommes ont reçu 3 g d'acide D-aspartique, ce qui a permis d'augmenter leur taux de testostérone de façon assez modeste, mais qui a quand même connu une augmentation. Donc le problème, c'est que de nouvelles études, entre-temps, ont montré que l'acide D-aspartique n'augmentait pas du tout le taux de testostérone, ni la force, ni la masse musculaire. Merde. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que vous pouvez quand même être concerné. Alors pourquoi ces résultats sont contradictoires? En fait, dans les deux études, les deux équipes de chercheurs semblent indépendantes et n'ont pas de conflit d'intérêt avec des sociétés vendeuses de compléments alimentaires. En fait, ce qui est frappant dans la première étude, c'est que les participants ont été recrutés pour participer à cette étude dans une clinique pour la fertilisation in vitro. Et les taux de testostérone de ces hommes étaient déjà anormalement bas. Il est donc probable que l'acide D-aspartique fonctionne, mais chez des hommes malades, ou alors qui ont un hypogonadisme, en fait, on appelle ça secondaire. Si pour une raison ou une autre, vous avez un problème avec votre taux de testostérone, s'il est anormalement bas, ça peut-être vous aider. Mon conseil, si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de signe clinique d'un faible taux de testostérone, passez votre chemin et gardez votre porte-monnaie dans la poche. Si vous avez manifestement un taux bas, pourquoi pas l'ajouter à toutes les recommandations que vous appliquez déjà. Ah, et si vous voulez connaître vos taux, ben prise de sang. Voyez avec le doc ou payez-la, ça ne coûte pas très cher. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo, qu'on devienne une communauté de partage, les amis. Et donc, partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.